Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo, la leçon 14, se repérer et se déplacer sur un quadrillage. Parmi les objectifs de l'apprentissage, c'est se repérer sur un quadrillage et se déplacer sur un quadrillage. On va parler de la notion de case, nœud et codage. Construction du concept, l'exercice 1. La coccinelle se déplace dans les cases du quadrillage. Les cases du quadrillage. Elle se trouve dans la case E3. Cherchons la coccinelle. Elle est dans la case E et 3. Elle est dans cette case. Elle est dans cette case. Cette case nommée E3. Majuscule 3. Alors voici le codage de son déplacement. D3 D3 après C3 C2 C2 B2 et B1. Colorer les cases qu'elle traverse. Il faut colorer cette case, cette case, cette case, cette case et cette case. Entoure la fleur où elle arrive. Il faut entourer cette fleur. Colorer la case et entourer cette fleur. La question 2, bien l'exercice 2. La coccinelle se déplace sur les lignes du quadrillage d'un soka. Alors, dans cet exercice, elle se déplace dans les cases. Maintenant, elle se déplace sur les lignes du quadrillage. Elle se trouve sur le nœud ou 4. E 4. L'intersection de la ligne horizontale et la ligne verticale dans la notion des nœuds. Nœud O4. Alors, code son trajet vert. Code son trajet vert. E4. Après D4. D4. Alors, après D3, D majuscule et 3, ici, D3. Après le vert, c'est D2, D2. Ici, c'est C2, C2. Et le point final, ou bien le nœud final, c'est B2. B2. E4, D4, D3, D2, C2 et B2. Activité de mathématisation. Code les cases que le robot traverse pour aller jusqu'au lit. Pour aller jusqu'au lit. Et c'est E1, D1, après D2, D2, et c'est D2, C2. C3 et B3. B3. Maintenant, la suite. Premièrement,
Le bateau se trouve sur le nœud C2. C2. Il se déplace sur les lignes du quadrillage. Voici le codage de son déplacement. C3. C3. Trace son trajet. Alors C3. C4, C4, D4, alors D4. E4, E4 et E3. E3. On tourne l'île d'arrivée. Alors, l'île d'arrivée, c'est ça. Évaluation formative. Code, la case de la maison de Leïla et celle de l'école. Alors, maison de Leïla, il faut chercher la maison. Leïla, la maison, c'est dans la case A4. A4. Maison, c'est ça. Alors, l'école, il faut chercher l'école. Oui, l'école, elle est dans B1. B1. B et 1. Leïla part de chez elle et va à l'école. De la maison vers l'école. En empruntant le chemin le plus court, il faut chercher le chemin le plus court. Leïla part de chez elle et va à l'école en empruntant le chemin le plus court. Elle part de la maison vers l'école. Alors, code les cases qu'elle traverse en empruntant le chemin le plus court. Alors, Leïla va de la maison de chez elle. Il va traverser par ce chemin. Alors, on peut traverser ce chemin. Alors, on cherche le chemin le plus court. Elle va traverser par ce chemin et ce chemin. Alors, le codage. A4. A4. Après, B4. B4. Après B3. B3. B2. B2. B2 et B1. C'est le chemin le plus court. Et B1. Où il y a l'école. Consolidation, remédiation. Code les cases des fleurs. On a une fleur orange. Il est où? Il est dans A2. A2. Bleu. Il est dans C1. C1. Après rose, il est dans B3. B3. Complète selon l'exemple. Approfondissement. Alors, regardez l'exemple. Il y a le chien. Il est dans le nœud 2, 3. 2, 3. Alors, faites attention. On commence par les bleus. Alors, selon l'exemple, on commence par le bleu. Alors, 2, 3. Le lapin, il est où? Dans 3, 5. 3, 5. La poule, il est dans 4, 1. 4, 1. On commence par le bleu. Et le chat, il est dans 5, 4. 5, le nœud 5.
C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo si vous avez aimé ma vidéo. S'abonner et à la prochaine vidéo. Inch'Allah.